voilà, quel plaisir de vous retrouver, mes amis, en direct de Canal Algérie tous les dimanches après-midi dans cette émission qui vous fait découvrir pas mal de choses. Hein. Vous voyez, nous sommes entourés de très jolies choses. Tout est fait main hein, par de belles de doigts de fées. En tous les cas, on va découvrir tout cela dans quelques instants avec des invités qui certainement vont vous ressembler puisque ce sont des personnes qui sont dans la création artistique et notamment en ces périodes de vacances, puisqu'un bon nombre d'entre vous, vous êtes en vacances, profitez-en hein, pour être en famille, pour rencontrer les gens que vous aimez. Alors cet après-midi, en ce week-end, hein, nous proposons donc des invités toujours de marque et de qualité, comme nous savons le faire dans notre émission Touahech de Bledi. Avec nous justement Monsieur Rachid Abdelkader Jamil, qui est parmi nous cet après-midi. Marhababik. Merci de m'avoir invité et je salue vos téléspectateurs. C'est un plaisir de vous recevoir, Monsieur Rachid Abdelkader Jamil. Alors Monsieur Rachid Abdelkader Jamil, pour savoir, donc c'est un ancien diplomate, hein, un ancien ambassadeur, notamment dans les pays d'Amérique latine, le dernier poste, et il a été formé donc aux États-Unis, notamment en sciences politiques, des études de sciences politiques à Los Angeles, et puis après ça, il a enseigné à l'université de Constantine, et depuis il a rejoint le monde de la diplomatie hein, pour avoir des postes donc à l'international et représenter notre cher pays. Et aujourd'hui, depuis 2003, il s'est lancé dans le monde de l'écriture, hein, n'est-ce pas? Un pays sans mémoire, certainement sans avenir. Absolument. N'est-ce pas, n'est-ce pas, Monsieur Rachid Abdelkader? Merci, c'est un plaisir de vous recevoir. Il est partagé. Et on sait également, Monsieur Rachid Abdelkader, que vous avez donc signé un de vos livres. C'était donc hier. Unité coloniale à Constantine. Unité coloniale à Constantine, ça s'est fait donc au niveau de la librairie Point Virgule. Absolument. Que l'on salue également. C'est une librairie où on accueille beaucoup d'amoureux du monde de la littérature et de l'écriture. Avec nous également, Mademoiselle Lashgar Esma. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour. Ravie d'être ici. Voilà, je suis enseignante dans un centre de formation au niveau de la formation professionnelle. Au niveau de la HAU. Oui. J'enseigne la peinture sur verre et la gravure sur verre. Je suis dans la résidentielle, exactement. On a dans le centre de formation, on a l'apprentissage, on a présentiel. L'apprentissage, on fait un cours une fois par semaine dans l'école et les autres jours, on les fait en dehors de l'école pour les apprentis. Et présentiel, on fait les cours toute l'année pendant 12 mois. On a un diplôme à la fin de l'année et on a les femmes au foyer aussi. Très bien. Ils reçoivent une attestation. On va y revenir hein, dans quelques instants, si vous voulez bien, Mademoiselle Lashgar Esma. Hein, vous habitez Constantine. Oui, je suis de Constantine. Hein, oui. On salue vos parents également s'ils nous suivent cet après-midi. Oui, j'imagine. Il faut savoir également qu'elle fait des va-et-vient entre Alger et Constantine. Oui, et souvent. Ça, c'est quand même assez laborieux et courageux de votre part. J'imagine que vous devez aussi aimer ce que vous faites au niveau de ce fameux, donc dans ces centres de formation professionnelle, où il y règne aussi une très bonne ambiance. Une très très bonne ambiance. Et ça, c'est formidable. On a des responsables qui sont à l'écoute et ça se passe super bien là-bas. Voilà. Alors, mes amis, comme vous le savez, Touahech de Bledi, votre émission, hein, qui en fait est dans cette Algérie qui avance, je le dis à chaque fois, ce n'est pas de la nostalgie, bien au contraire, mais c'est cette Algérie qui avance avec ses femmes et ses hommes, avec tout ce que vous allez découvrir cet après-midi dans cette émission en matière d'histoire, d'écriture. Il va y avoir aussi les formations professionnelles, le travail de recyclage. Pas mal de choses vous attendent dans cette émission. Ne zappez surtout pas. Tout de suite, le temps d'une petite chanson, hein, notamment avec Dahmel Harraché, hein, Ya Rayeh, une très belle chanson que l'on vous offre à vous tous. À tout de suite. يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي
شحال شفت البلدان العامرين والبر الخالي شحال بيعت وقت وشحال تزيد ما زالت خليك يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيا ما تجري بيك وعد القدرة ولا الزمان وانت ما تدري يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال من مولع فات الغفلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال من مولع فات الغفلين قبلك وقبلي وعلاش هكذاك الزوالي ما تقومش تداوي لا بطي تعلم وكتب ليك ما يدوموا الايام ولا يدوم صغرك وصغري يا حليل ومسكين اللي خاب سعدوك يظهري يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي حال ندمو العباد الغافلين قبلك وقبلي Voilà, donc cette très belle vue également d'Alger, du port d'Alger, que l'on vous offre cet après-midi dans notre émission Touahesh Tbladi. Encore une fois, marhaba bikoum ya lhbab, ravi de vous retrouver. Toujours un plaisir d'être en votre compagnie en direct de Canal Algérie pour vous donner le meilleur du meilleur. C'est notamment dans cette émission Touahesh Tbladi avec M. Rachi Abdelkader Djamil qui est parmi nous aujourd'hui. Je le disais, donc c'est une personnalité, c'est un honneur pour nous de le recevoir. Voir parmi nous ici dans les studios de Canal Algérie, donc un ancien diplomate et également, donc il a fait une bonne partie de ses études aux États-Unis d'Amérique, à Los Angeles plus particulièrement, et ensuite il a rejoint l'université de Constantine et par la suite il a été autour d'un périple professionnel diplomatique et il nous revient depuis 2003 avec des écrits autour de sa belle ville Constantine, n'est-ce pas, qui vous tient à cœur? Oui, c'est moi. Alors, vous venez de sortir donc le dernier livre hein, aux éditions Ibriz. Je ne l'ai pas oublié, n'est-ce pas? Absolument. Les éditions Ibriz, et où vous relatez un peu votre enfance à Constantine. Absolument, c'est un livre autobiographique. Quelqu'un m'a dit d'ailleurs qu'en lisant votre livre, le personnage principal est la ville de Constantine. Oui. Donc, c'est un retour sur... Pourquoi j'ai écrit ce livre? D'abord, j'avais envie de retrouver mon adolescence, à travers l'écriture, de retrouver mon adolescence et de ma prime jeunesse. Mm-hmm. C'est aussi l'occasion pour moi de rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui ont souffert, qui ont combattu pour que notre pays reprenne sa place mm-hmm. au sein du Concert des Nations et devient donc et recouvre la liberté. Mon livre aussi a pour objet, ma foi, de rendre hommage à ma mère, qui, comme de nombreuses femmes algériennes, ont été aux côtés des hommes bien sûr. Pour mener cette guerre de libération. Mmh. Et donc, c'est un travail de mémoire. Et Churchill disait qu'un peuple qui n'a pas de mémoire n'a pas d'avenir. Mmh. Il faut que nos générations actuelles et prochaines se réapproprient cette mémoire collective, cette longue histoire de résistance depuis la colonisation française, je ne vais pas aller plus loin, mmh. parce que mon livre parle surtout de la colonisation mmh. française, qui va de 1830 et qui a été jalonnée de luttes incessantes, qui a culminé avec les massacres du 1945, puis ensuite la glorieuse
guerre d'indépendance qui a débuté le 1er novembre 1954. D'ailleurs, le background, la toile de fond de mon récit, c'est quelques événements qui ont marqué la mémoire constantinoise. C'est d'abord, bien entendu, le déclenchement de la Révolution. Dans mon livre, je parle un peu comment a été perçu ce déclenchement de la Révolution le 1er novembre. Aussi bien du côté de ce qu'on a appelé les Européens, les Israélites et les, ce qu'on a nous appelé les indigènes. Pour les Européens, c'était encore une petite révolte qu'on va vite. Mais pour vous, donc, à travers justement ce livre, Monsieur Rachid, vous qui avez vécu aussi dans cette diversité, également pour vous, c'est très important. Vous revenez dans votre livre par rapport à cela. Vous revenez aussi à l'histoire des grandes familles, des personnalités également que vous avez côtoyées. Donc, et ça, pour vous, c'est vraiment très, très important. On va revenir vers vous dans quelques instants, hein, si vous le voulez bien. On reste dans cette continuité, dans cette aussi, cette fraîcheur et cette jeunesse qui est aussi parmi nous aujourd'hui et qui fait que c'est important de revenir également vers cet avenir, vers le travail aussi de cette relève et de pointer du doigt donc cette richesse. Vous disiez que vous étiez aussi très très épanoui dans ce que vous faites, dans votre travail, dans les centres de formation professionnelle, dans le centre de formation professionnelle et dans les activités artistiques que vous menez. Et vous avez aussi des jeunes que vous formez. Oui, j'ai des jeunes de former. Ils sont de exactement de 15 à 25 ans, à 74 ans. J'ai des femmes qui ont 74 ans qui sont en train d'apprendre chez moi. Ça se passe super bien, une bonne ambiance. Mon but, c'est pas qu'ils doivent sortir vraiment avoir un métier. Le plus important, c'est qu'ils soient artistes dans l'âme et dans le cœur. C'est, on peut vraiment être artisan et tout, mais je veux que ce soit artisan en même temps, artiste en même temps. Et si on a remarqué que l'artisanat en Algérie, elle commence à diminuer, je veux vraiment revivre. Nous, on a l'impression que c'est le contraire parce qu'on reçoit beaucoup, beaucoup d'artisans. Mais on ne les voit pas beaucoup, en fait. C'est ça. Je veux avoir plein de métiers. Déjà, au centre de formation, on a exactement la pâtisserie, la couture, on a la céramique. Il y a beaucoup de métiers déjà au centre de formation. Au centre de formation. Voilà. Vous avez également fait une formation autour du verre également. Oui, voilà. Justement, ça sera une surprise pour le mois de septembre. On va annoncer un nouveau projet, une nouvelle formation pour le mois de septembre. Inch'Allah. Très bien. Voilà. Alors, vous êtes venu également avec des tableaux. Ce sont des tableaux d'étudiants. D'étudiants. Ils ont choisi cette année un thème sur les derviches et les mains de Fatma. Et c'est à plein de... C'est des élèves de cette année, vous allez voir. Voilà, exactement. Donc on va découvrir tout ça. Il y a aussi des bouteilles. Instants. Voilà, donc le travail de tout ça, c'est une Touareg. Oui, c'est une Touareg, C'est une technique de cubisme. C'est un élève qui a pris une photo, il a redessiné le tableau. Revisité. Voilà. Et puis nous avons ensuite à côté cette ambiance aussi des derviches revisitées. Revisitées différemment. Il y a aussi deux tableaux, mes tableaux. Il y a une femme, il y a exactement un tableau qui s'appelle Donc voilà, nous voyons. Donc on suit ensemble. Vous allez voir. Ça, c'est le derviche. Voilà, les derviches. Donc on suit ça ensemble, pas à pas. Voilà, c'est aussi très bien. Et ça prend, donc ça c'est les khamset. Oui. Hein, différentes sortes de khamset. Ça c'est de vous? Non. Toujours les élèves. Très bien. Parfait. Donc vraiment différentes khamset que l'on peut aussi découvrir à travers le travail de ces jeunes apprenants. Ce sont des apprenants. Vous avez combien d'apprenants dans votre L'année passée, ils étaient une dizaine. Oui. Plus les femmes au foyer. Oui. Et cette année aussi, on est une dizaine exactement. Très bien. Avec les femmes au foyer aussi. Voilà, tout ce travail fait par le centre de formation professionnelle. Autour de beaucoup d'échanges avec vos apprenants. Il y a l'arbre de la vie aussi, je ne sais pas si vous l'avez... Oui, on va le voir dans quelques instants, l'arbre de la vie. Et nous avons ça, également... Ça, c'est Taos, c'est ma création. Très bien. Voilà, c'est une rêveuse. Oui. Voilà.
Et celui-là, c'est l'arbre de la vie. Tout ce qui est spirale, c'est le parcours de chaque être humain. Mm-hmm. Et le fond, il y a des paillettes, c'est le bonheur. Et l'être humain, avant de mourir, il laisse toujours, toujours, il y a toujours dans son cœur, il y a un moment de bonheur. Quelle que soit la difficulté de sa vie, mm-hmm. il y a toujours un moment de bonheur. Voilà. Mm-hmm. Voilà, c'est tout. Voilà. Et cet arbre de vie, vous l'avez eu d'où ? Mais c'est, une fois, on a fait une expo avec les enfants autistes et trisomiques. C'est ça. Avec les Tunisiens en 2016. Mm-hmm. Et je devais faire un tableau pour un thème. Et ça s'appelle le thème « Voyage en couleur ». J'ai commencé avec une voyageuse et j'ai terminé avec l'arbre de la vie. Voilà. Mais c'est magnifique, voilà. C'est vraiment magnifique. Merci. Surtout que nous savons aujourd'hui que l'autisme est une maladie qui s'installe. Et il y a beaucoup de choses à faire avec les enfants autistes. Oui, il y a beaucoup à faire aussi justement. Avec ces autistes, parce qu'il y a différentes sortes d'autisme. Et il y a des personnes autistes sans qu'on se rende compte. En fait, on n'arrive pas à distinguer chez cette personne réellement la maladie. La maladie. C'est après des diagnostics. Et puis, vous avez aussi d'autres qui sont atteints profondément. Oui, justement, il y a des enfants qui sont autistes, qui sont artistes aussi. C'est ça. Personnellement, moi, j'ai un neveu qui est artiste. C'est un autiste, mais il fait des merveilles. Mm-hmm. Il a 8 ans et il fait des merveilles, en fait. Et dommage, il faut qu'on les motive. Ces objets ici parmi nous aujourd'hui. Dommage, malheureusement. La prochaine fois. La prochaine fois. Vous nous ramenez donc les votre neveu. Inch'Allah. Ça nous fera aussi chaud au cœur de recevoir le travail de votre neveu. Et je demande aux jeunes de venir, de s'inscrire. Mm-hmm. Exactement, les inscriptions commencent le mois de janvier. Venez pour apprendre un métier, c'est très intéressant. Et il commence les inscriptions le 16 janvier. La rentrée, ça sera pour le mois de février. Oui. Il faut venir. Je demande aux jeunes de venir, de s'inscrire et d'apprendre un métier. Ben c'est important, voilà. Absolument, c'est vraiment très très important. Voilà, il faut motiver les jeunes. Oui, voilà. On revient vers vous, donc Monsieur Rachid. Avec plaisir. Autour de votre livre, donc nous voyons aussi ces bouteilles, c'est toujours vous, donc très bien, voilà. C'est toujours vos élèves, très bien. Ben écoutez, c'est tout cela donne aussi envie de pourquoi pas de participer, et d'être formé notamment, voilà. Parce que la formation est essentielle. Je pense que la formation est aussi essentielle. Il y a beaucoup de choses, je n'ai pas pu tout ramener exactement, mais il y a beaucoup de la gravure. Ils font beaucoup de choses sur beaucoup de supports. Mm-hmm. C'est intéressant ce qu'ils font les élèves. Voilà. Oui. Monsieur Rachid Abdelkader Jamil, un été colonial à la Constantine, une Constantine qui est une très très belle ville. Alors j'imagine que dans ce livre, on déambule dans les rues, dans les vieux quartiers de Constantine, Monsieur Rachid. Absolument, c'est la topographie de la ville. Oui. D'ailleurs, mon livre, c'est un peu l'histoire de Constantine durant l'époque coloniale. Mm-hmm. Pour être précis, c'est tout ce que ma mémoire a retenu de mon adolescence à ma prime jeunesse durant l'époque coloniale. Donc, les trois communautés sont présentes, les lieux ont une vie, ils existent, comme Rahbet Sof, Souéka, la piscine de Sidi Msid. C'est des personnages vivants. Mon livre redonne vie à la vie, redonne vie à ce qui existait à Constantine pendant cette période que j'ai intitulé « Un été colonial à Constantine ». Donc c'est tous les événements que ma mémoire a retenus de 1955 à 1959, après l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir, qui est dans ce livre. Mm-hmm. Et tous les personnages obéissent à ces réalités qui existait entre cette réalité qui existait entre 1955 et 1959. Mm-hmm. Par exemple, je prends un exemple comme le discours du général de Gaulle à la place de la Brèche. Il a eu lieu en 1958, qui a été très important. Mais en même temps, je parle d'événements qui sont passés en 1955, parce qu'il m'a fallu un fil conducteur. Mm-hmm. Autrement, je dois écrire un récit uniquement sur j'aurais fait œuvre d'historien. Oh, moi, Absolument. C'est un roman aussi. C'est un peu romancé. Voilà, c'est un roman également. Mais vous savez, inspiré de faits réels. De faits réels. Mais vous savez, la littérature, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mm. En écrivant ce livre, j'ai fait revivre des personnages, des gens que j'ai connus. Mm-hmm. Et la puissance des mots fait que vous les faites revivre. Vous les refaites et vous revivez les situations que vous avez vécues. Mm-hmm. Et ça, c'est extraordinaire. Seule la littérature
Parce que l'histoire, c'est autre chose. Il faut vous tenir au fait, il faut croiser la... Ah ben oui, c'est beaucoup plus rigoureux, c'est beaucoup plus objectif. Exactement. Mais là, ce n'est pas un livre triste, contrairement à ce qu'on peut penser. Parce que c'était l'époque coloniale. Oui. Il y avait des gens lumineux et des gens aussi... de triste cire. Exact. Tout à fait. Et donc, c'est des personnages pleins de vie. Vous parlez par exemple des lieux, de la topographie de la ville, les ponts. Quand vous dites je suis de Constantine, ah, les ponts de Constantine. Eh bien, les ponts ont une activité fonctionnelle. C'est d'enjamber les précipices, les gorges, etc., etc. Mais moi, dans mon livre, le pont. Et quelque chose, je dirais pas de négatif, mais de qui porte un peu en lui des germes de mort. Parce que pourquoi? Parce que les gens se suicidaient en se jetant des ponts. Oui, quand j'étais adolescent et de là où j'habite, je vois toujours sur le pont de Alcantara un attroupement et on comprend que quelqu'un s'est suicidé. Donc pour vous dire, par contre. Le théâtre de Constantine aussi peut avoir une double fonction. C'est-à-dire, bon, c'était l'époque de la colonisation française, même la comédie française. Et j'ai assisté à un répertoire, au bourgeois gentilhomme de l'Inde, et j'ai découvert ce qu'est le théâtre. Mais la place de la Brèche, c'est aussi les camions militaires français qui stationnaient et qui raflaient. Ce qu'on appelle les indigènes, pour les conduire à la ferme amzienne ou leur faire subir des interrogatoires. Et beaucoup d'ailleurs ne revenaient pas. Et beaucoup, ce qu'on appelait la corvée de bois. Donc, il y a ce dualisme, cette symbolique. C'est-à-dire, vous êtes partagé. Un lieu peut représenter deux choses négatives. Comme mes personnages d'ailleurs. Moi, par exemple, j'avais comme enseignante au secondaire Madame Ripoll. Mais c'était une femme qui nous a fait découvrir la littérature française, qui nous a fait découvrir la culture et la civilisation française de Jean-Jacques Rousseau. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces auteurs véhiculaient un message de liberté, d'émancipation, des droits de l'homme. Et dans la réalité, nous, les indigènes, nous vivions la souffrance et les privations, le racisme, je dirais pas la ségrégation. Les quartiers européens étaient arborés, propres, et la majorité des indigènes habitaient la vieille ville. Et la France n'avait fait aucun effort pour... Donc vous relatez dans le détail une vie de l'époque passionnante, en tout cas un été colonial donc à Constantine. C'est le livre de monsieur donc Rachid Abdelkader Djamil qui est parmi nous aujourd'hui et ça a été vraiment un plaisir de vous avoir reçu. Et on espère donc vous retrouver encore une fois avec d'autres livres et d'autres souvenirs, parce que c'est aussi important de relater également la mémoire et de mettre en exergue tous ces quartiers, toutes ces villes que l'on ne connaît pas aussi, que l'on découvre grâce à des textes, grâce à des livres. On découvre des quartiers, des modes de vie, une façon de vivre, des us et des coutumes spécifiques de la région, tels que Nochra par exemple, qui est spécifique à Constantine. J'en parle dans mon livre. Détails comme ça qui sont vraiment spécifiques à des régions. Et ça, c'est vraiment fabuleux parce qu'aujourd'hui, avec la modernisation, les gens se délocalisent, on se déplace et on oublie certaines us et coutumes. Mais grâce à des écrits et des textes, la mémoire reste intacte. Merci beaucoup, on va vous laisser partir. C'est moi qui vous remercie. Voilà, merci mademoiselle Ashgar Esma. Restez parmi nous. On va juste vous dire au revoir et vous saluer, vous remercier encore une fois d'avoir été parmi nous. Merci pour l'invitation. Et puis revenez aussi madame Ashgar pour avec d'autres belles beaux travaux donc de vos apprenants. Et puis on souhaiterait avoir le travail de votre neveu. Inch'Allah, avec plaisir. Ce serait vraiment un plaisir. Voilà, on se sépare avec une chanson que l'on vous offre également avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Toujours la chanson à l'honneur avec Ahmed Sabr. Et on se retrouve juste après avec d'autres invités. Merci beaucoup.
ربي مكمول قلبي في طريقك يمشي مهمول سبتيها بزينك صافي مكمول وعلاش خليتي بالي مظلم رحتي ونسيتي كلامك بكلام وعلاش خليتي بالي مظلم رحتي ونسيتي كلامك بكلام دروك هديتي بنيان الخيام دروك هديتي بنيان الخيام مازالني نحبك مازالني معاك قلبي مع قلبك محال ننساك مازالني نحبك مازالني معاك قلبي مع قلبك محال ننساك حياتنا زينة ما فيها ملام ياك ما تعادينا ما كنا كلام ياك ما تعادينا ما كنا كلام ما زالني نحبك ما زالني معاك قلبي مع قلبك محال ننساك ما زالني نحبك ما زالني معاك Voilà, donc une très belle chanson hein, que l'on vous propose aujourd'hui dans notre émission Touahcht Bladi. Encore une fois, marhaba bikoum ya lhbab, ravie de vous retrouver cet après-midi dans notre émission Touahcht Bladi avec nos invités. Je le disais, qui change à chaque fois, bien sûr, on varie. Beaucoup de personnes défilent sur nos plateaux et des personnes de qualité, qui, personnes qui font aussi de très belles choses, qui exposent. Alors nous avons avec nous Madame Alexa Belouizdad qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, merci d'être parmi nous. Merci de m'avoir invité. Voilà, c'est un plaisir de vous recevoir, Alexa. On vous a reçu il y a quelques temps oui. déjà. Hein, c'était peut-être à vos débuts. Oui, j'ai changé mon travail. Ouais. Autour du papier, recyclé, tout objet à recycler. Vous avez exposé également, il n'y a pas très longtemps, oui. Avec Lydia, la Duzi, que l'on salue aujourd'hui. Oui. C'était tout le mois de décembre, où il y a des très belles expositions qui se déroulent actuellement dans un hôtel tout près du Jardin d'Essai. Hein. Oui. Aujourd'hui, vous êtes venu avec vos objets qui sont tous à base de papier. Voilà, essentiellement de papier. Comment vous êtes retrouvée, comment vous êtes lancée dans ce monde du papier? Mais avant cela, nous avons également avec nous mademoiselle donc Assous Mouna. Bonjour, oui. Comment Bonjour. Ça va? Ça va, vous êtes. Ça va. Marhaba bik. C'est un plaisir de vous recevoir. Tous les plaisirs sont pour moi. Merci. Voilà, merci donc, pour l'invitation. C'est un plaisir, Assous Mounia. Donc, vous êtes parmi nous aujourd'hui. Vous êtes artiste peintre, plasticienne. Vous avez fait de très belles choses, de très belles reproductions. Oui. C'est des créations et reproductions. Voilà, aussi. Ce sont des créations et des reproductions. Oui, beaucoup tout à plus fait. Créations. Comment?
Beaucoup plus de création. D'accord, très bien. Donc, on va découvrir avec vous vos œuvres dans quelques instants. Donc, je disais, Alexa est parmi nous aussi et qui, elle, carrément, c'est du papier, c'est les journaux que l'on jette, c'est aussi toutes ces choses que l'on a, des revues que l'on jette par moment hein, dans des sacs et à la poubelle, alors que vous, vous récupérez tout cela et vous en faites des objets. Oui, voilà, je récupère les bouteilles d'eau, bouteilles plastiques aussi, des bouteilles en verre, des petits pots dessert, bref, tout ce qui va à la poubelle, j'essaye de le détourner pour le transformer et pour donner une seconde vie. Alors, on va voir déjà cette bouteille d'eau avec ce joli donc, vase, avec des fleurs, tout est fait donc, en déco, bien sûr, tout est fait en papier, c'est du papier journal, carrément. Oui, là, c'est complètement, c'est un rouleau de carton que j'ai habillé de papier journal complètement et les fleurs sont aussi en papier journal. D'accord. Et est-ce qu'on apprend à faire ce travail? Est-ce que ça s'apprend? Moi, je sais que je suis autodidacte. J'imagine la chose dans ma tête et j'arrive ensuite à la réaliser. Quoi. Oui. Je crois que c'est un don. Ouais, voilà, exactement. C'est un don. Ouais. Et vous avez toujours aimé... Oui, j'ai toujours été manuelle. Hein, mais le recyclage, maintenant, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Puis on peut faire tellement de choses. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. D'accord. Donc, on va donc découvrir votre travail, notamment tous ces objets que nous avons aujourd'hui. Vous avez donc exposé. Quelle a été la réaction du public? Très bonne réaction. Oui. Beaucoup de questions, mais assez intéressées. Les enfants, un peu plus. D'accord. Pour les enfants, ça a été toujours donc, un moyen beaucoup de questions, pour eux de pouvoir découvrir le travail. Alors, nous avons vous travaillez à base. Voilà. Pour faire chaque création, je dois faire des bâtonnets de différentes tailles. Oui. Ou des choses un peu plates pour ce qui est pour les sacs. Oui. Voilà, c'est pour montrer un petit peu le travail. Il faut énormément de quantité, en fait, il faut beaucoup de quantité pour une création. Et ça demande du temps, c'est beaucoup de temps, c'est... de patience. Oui, il faut plus de temps presque pour faire les bâtonnets que pour faire la création des fois. Il faut rouler, travailler. Vraiment, c'est vraiment du boulot. Hein. Oui. Donc, à base de tout cela, on arrive à créer des œuvres d'art et des gens achètent vos produits, sont contents de les avoir. Oui, ça donne une seconde vie, c'est vrai. Voilà. Merci. Non, ça donne une seconde vie, ça détourne de la poubelle, ça donne une seconde vie. Ouais. C'est des objets assez originaux. Oui, tout à fait. C'est la création aussi, c'est un peu moderne aussi. C'est ça, c'est moderne, exactement. C'est moderne. Et c'est ce qui fait ailleurs aussi. Ouais. Hein. Voilà, donc c'est ce qui se fait ailleurs. Donc voilà, franchement, il fallait y penser, hein, ce genre de ceinture. Oui. Hein, c'est des ceintures, voilà. De caftan. Voilà, donc, avec des pochettes. La pochette à côté. Oui, avec des pochettes assorties. Très bien, voilà. Voilà, dans le détail, oui. Donc, oui, why not, pourquoi pas. Voilà, donc là, c'est la première, toutes les couleurs est en magazine, et la seconde en papier journal, en noir et blanc. En magazine, vous voulez dire des revues. Regardez, des revues, magazine, franchement, voilà. Franchement, c'est très, très joli. Hein. Et je l'ai vu porter, hein, ça faisait très bien, vraiment. Sur un vêtement uni, bien sûr, c'est très joli. Ça, c'est une ceinture. Et le bas, c'est la pochette. Oui. C'est ça? Et dessous, vous avez la pochette. Oui, oui, oui. Non, franchement, ça c'est vraiment joli. C'est joli. Mmh. Avec un caftan noir. Avec un caftan noir. Oui, aussi un caftan, même une tenue moderne. Une petite robe noire, simple. Oui, oui. Vous avez le... Oui, donc on passe à l'autre, donc ce que nous propose également Madame Alexa Belouizded, toujours une poche, c'est une pochette. Et en dessous, vous avez une pochette dorée, tout journal. Là, on oublie que c'est du papier journal, parce que je l'ai peint. Ah, vous l'avez avec peint. Un rabat, voilà. D'accord. Et tout journal, tout journal, avec des renforts, là où ça peut être plus fragilisé. Oui. Ce que vous avez autour du cou également, cette fameuse Ramsa que l'on voit aussi. Oui, après je me suis adaptée. À votre niveau, c'est aussi... c'est fait avec du... c'est du magazine aussi. Parce que... Attendez, ne touchez pas, voilà, comme ça on va voir la chose. Fait, quand j'ai commencé à faire des accessoires pour dames, je me suis dit qu'il fallait aussi des bijoux pour aller avec. Donc des boucles d'oreilles, des bagues, aussi, des bracelets. Nous avons aussi l'horloge murale. Oui. Voilà, donc. On passe aussi à ce fameux vase, la bouteille d'eau à côté. C'est un cendrier. Hein? Un vide-poche, voilà. Oui.
Et là aussi, recyclage déco. C'est un sac. Ça, c'est une besace, oui, un sac besace. Mais est-ce que ça ne se déchire pas? Est-ce que c'est solide? Alors, j'ai vraiment, je renforce vraiment au niveau, là où il y a les... Je couds en plus. D'accord. En plus de ma colle, je couds et je renforce. Je mets plusieurs couches aux endroits fragiles. Parce qu'en fait, s'il pleut... J'ai mis du vernis pour l'extérieur. Voilà, s'il pleut, ça risque de... Et ça, c'est des... Ça, ce sont des petits rangements. Ce sont des boîtes de lait au départ. D'accord. Que j'ai découpé, et ça fait 8 petits tiroirs en fait. Ça, c'est sympa. On peut mettre des bijoux, voilà, des petits trucs sympas. Il y a le plateau aussi. C'est un plateau. C'est un, oui, aussi un grand vide-poche. C'est une décoration. Un grand vide-poche. Mon œil, ouais. Très, très bien. Eh bien, écoutez, avec tout ça, voilà. Ça aussi, c'est très joli ce que nous voyons. C'est original. Voilà. Ça, c'est une grosse tasse. Donc, ça peut être pour. Oui, voilà. Même pour mettre des fruits, pour. On peut mettre des fruits. On peut mettre des fruits, oui. Et c'est à base de papier. Tout papier journal, ça, avec des journal. Voilà. D'accord. Renforcé ou Toujours. Je renforce avec ma colle, je renforce et après je mets du vernis pour terminer. Et ça doit être sympa d'avoir ça à la maison aussi. Ça change. Ça peut apporter une petite touche particulière. Ça change un petit peu. Et puis nous avons des bijoux. Oui. Voilà, des bijoux à base de papier. De mes perles en magazine. Voilà, donc tout ça, c'est assez sympa. Si on se mettait tous à porter ces bijoux. Ça me ferait plaisir. Et ça coûterait moins cher. Oui, hein, c'est ça. C'est sûr. Ben écoutez, c'est sympa. En tous les cas, l'idée est très, très belle. Voilà, c'est ce qu'on voit, vos Ramsets. Là, vous avez un collier et une broche à côté. C'est ça. Non, franchement, c'est joli, c'est aussi très joli. Hein. Il me paraît ça aussi, je l'ai vu porter joli, sur un col très... roulé noir. Oui, même si c'est une grande pièce. Là maintenant, ce que vous portez, c'est vraiment joli. Hein. C'est très joli. Merci. Voilà, et puis ça suscite la curiosité. Oui. On se demande ce que c'est. C'est pas lourd. C'est pas lourd. Voilà, ça suscite une curiosité. Alexa, merci. Hein, merci à vous. Pour toutes merci. Ces belles choses. C'est un honneur. Voilà, que vous nous proposez aujourd'hui, à voir comme ça à l'écran. C'est vraiment très joli avec ce que vous avez aussi comme boucle d'oreille. Oui, hein, j'ai voulu faire une parure. Une parure à base de papier. C'est du papier mâché Magazine. Magazine. C'est des revues. D'accord. Parfait. Et je disais avec nous Assous Mounia, c'est oui. ça oui. Assous Mounia, donc, que j'ai rencontré, que j'ai croisé sur les réseaux sociaux. Oui. Voilà, et sa présence est parmi nous me fait plaisir. Merci. Hein, ça me fait chaud au cœur de vous recevoir, Assous Mounia, puisque vous-même, vous êtes donc artiste peintre. Oui. On va découvrir vos œuvres. Alors, ce sont aussi de très, très belles œuvres orientalistes. Hein. Orientalistes, c'est ça. Voilà. C'est des histoires. Nos coutumes, c'est nos traditions. Ça, c'est la sortie de l'hammam oui. ou le départ du hammam. C'est pas le hammam. En fait, c'était ziara. Ziara, t'as la fête, t'as l'ars. C'est ça. Voilà. C'est le mariage. Ah, c'est le mariage. Elle va au mariage avec sa fille. Avec sa petite fille. Est... Oui. Oui, sa petite jeune fille. Oui, d'accord. Donc ça aussi, c'est un très très joli travail. Oui. On passe au prochain tableau de Mounia Assous qui est parmi nous aujourd'hui, hein, qui elle aussi donc fait de très 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 belles choses. Alors cette fois-ci, c'est de la calligraphie. C'est voilà. De la calligraphie, oui. Ça, c'est votre création. Ah, c'est une création, c'est des signes berbères et... Et mes mains aussi, c'est mes empreintes aussi. Oui, oui. C'est une création moderne, un peu berbère. C'est oui. Ça. On passe au prochain tableau, toujours de Mounia Assous, que nous recevons aujourd'hui et qui elle aussi est dans. Voilà, c'est une nature morte là. Une nature morte, oui. Donc toujours adossée en fait. C'est aussi donc un plateau traditionnel. Un plateau traditionnel, voilà. C'est Rada, Géroise ou bien c'est nos coutumes, nos traditions, c'est ça. Toujours dans la Géroise, le Kabyle, le Chaouis. Je sais toujours faire mon patrimoine algérien, c'est ça. Là aussi, c'est une belle scène de vie. Là, c'est dans le sud.
une des oasis, j'imagine, au Biskra. Biskra, c'est ça. Mm-hmm. Oui, c'est une reproduction, inspiration, parce que je la joue. Je modifie à ma façon. J'espère que tu as du bon. Voilà, donc de très belles œuvres. Hein, donc, merci. Un très beau travail fait avec vraiment avec cœur. Hein, oui. Bravo, hein. C'est très 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 joli, c'est vraiment très très bien fait également. Vous exposez actuellement ou vous êtes... Non, pas encore. Maintenant, je n'expose pas parce que ça fait pas longtemps que j'ai terminé mes tableaux. Oui. Alors, j'essaie d'exposer, mais j'arrive pas. Pourquoi? J'ai pas pu parce que j'ai pas trouvé. Il faut des connaissances, oui, il faut jouer. Un peu de connaissances. Est-ce que vous avez été voir les organismes qui organisent les expos? j'ai fait des expositions, bien sûr. J'ai travaillé à la galerie d'art de Bob Zouar, oui. Avec Madame Guez, Madame Ahil et oui. tout. Où j'ai travaillé avec Monsieur Laraba, oui. au village des artistes. Oui. C'est lui, ben, il a la touche. Absolument, oui. Ça, c'est très beau. Avec Monsieur Laraba. Et j'ai exposé aussi Riyad El-Fetah, France Fanon avec Monsieur Ritter. Oui. Où j'ai travaillé. Ah, très bien, d'accord. Parce que maintenant, là, au décembre. Inch'Allah, ça viendra pour l'année 2019. Hein. Inch'Allah. Oui. Voilà, c'est très très joli. En tout cas, on vous encourage. Merci, hein, merci à vous, madame. Très très belles œuvres. C'est très très bien exécuté en tous les cas. Et on vous souhaite plein de beaucoup de bonnes choses. Très joli, vraiment très très joli. Et puis très souvent, ce sont des toiles que l'on ne voit pas souvent. Voilà, ce sont des reproductions que l'on ne voit pas souvent. Ouais. J'essaie toujours de faire le difficile pour passer à le plus facile. Ouais. Comme ça, j'explore mon don. Voilà, voilà. Très bien. Ouais. Merci beaucoup, mesdames. Merci, on va vous laisser aussi. Partir. Avant de vous laisser, on va découvrir avec Hassiba Abdallah une course de Méharé. Hein, une course de Méharé. Mais donc, avant cela, je voulais vous dire, donc, on espère aussi que vous allez donc pouvoir exposer. Oui, pourquoi pas aussi avec Lydia Ladouzi, avec tout ce collectif. Vraiment, c'est très bien. Oui. Vous-même, vous avez fini votre semaine. Moi, ça y est, j'ai terminé. Oui. Vous avez terminé votre semaine. Ouais, ouais. Et ça s'est bien passé très, pour très vous. Bien, très, très bien. Vraiment. J'imagine un grand moment d'échange, déjà avec entre vous. Déjà entre nous, voilà. Le public oui. et toutes ces personnes qui sont dans l'hôtel et qui sont devenues... Oui. font des va-et-vient, donc oui, j'imagine oui, oui. que ce non, non, être... beaucoup de passages, et puis vraiment, c'est un très beau lieu, et puis vraiment de très belles personnes. Oui, ouais, oui. J'imagine vraiment de très, très belles personnes, beaucoup d'échanges. C'est du bien. Voilà, on va vous laisser partir, et nous, tout de suite, on va apprécier cette course de Méharé, et on se retrouve juste après avec d'autres invités. La course des Méharé, une tradition préservée depuis plusieurs générations. Aujourd'hui encore, elle est une discipline qui attire beaucoup de monde et beaucoup de participants. J'ai 70 ans et je participe à cette course depuis que j'étais jeune. J'aimerais que cette course perdure dans le temps. Et puis vous savez, nous avons pris de l'âge, alors pour assurer la relève, nous sommes en train de former les jeunes. Nous nous déplaçons de wilaya en wilaya, d'Ilizi vers Tamraset, Tindouf ou encore Ouergla. Nous aimerions que les autorités s'intéressent plus à ce que nous faisons et nous aimerions par exemple avoir une ligue pour les courses de dromadaires. Nous organisons cette course pour encourager l'élevage des dromadaires qui fait partie de notre patrimoine. Je souhaiterais une bonne chance à tout le monde. Les gens du Sud s'attachent bien à cette tradition, mais ils sont tout de même inquiets quant à son avenir, car la course risque bien de disparaître un jour. Nous achetons ces dromadaires à des prix très élevés et l'élevage demande beaucoup d'argent. Ce n'est pas vraiment rentable, surtout que le prix proposé aux gagnants est symbolique. Nous les achetons entre 100 et 150 millions de centimes pour peut-être gagner un téléviseur qui coûte 10 à 15 millions de centimes. Et franchement, il faut plus pour nous motiver. J'aimerais que ce patrimoine soit préservé, qu'il ait un intérêt notamment de la part des autorités. Nous, nous faisons tout ce que nous pouvons, mais ce n'est jamais assez. En effet, les amoureux des dromadaires ne peuvent à eux seuls faire perdurer cette tradition sans l'aide précieuse des autorités.
Voilà, de retour dans notre émission Touahcht Bladi, avec notamment beaucoup de belles choses hein, qui vous attendent dans notre émission, des moments vraiment de partage avec des invités également que l'on va découvrir dans quelques instants. Et qui notamment vont nous faire découvrir donc leur travail, le rendez-vous culturel qui se déroule actuellement au niveau de l'Opéra d'Alger, donc l'Opéra d'Alger Boualem Bessayeh, dans quelques instants. Voilà, donc on va justement demander à notre invitée d'être parmi nous. Elle vient justement de Tunisie. Il s'agit de Shahrazad Hellel qui va donc nous rejoindre dans quelques instants. Rentrez, madame, marhaba bik. Installez-vous. Voilà, donc asseyez-vous, madame. C'est un plaisir de vous recevoir. Donc, notamment, Shahrazad Hellel, vous êtes donc dans le monde du chant, hein, la chanson. Oui. Comment allez-vous? Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est à moi. Voilà, alors justement, Shahrazad Hellel, donc vous venez de quelle région de Tunisie plus particulièrement? De Tunis. Très bien, ouais. Très bien. Et vous êtes donc dans le monde du chant, le chant du Melouf, ou alors un chant spécifique du terroir tunisien? Bon, on va dire dans le monde du chant arabe généralement. Ah, très bien, d'accord. Et pas seulement tunisien, oui. Même maghrébin, même oriental. D'accord. Donc, j'ai chanté tous les genres de musique et tous les styles. Peut-être le genre que j'aime le plus, c'est le chant du Melouf et le patrimoine tunisien. Le populaire aussi, la musique populaire, parce que j'ai travaillé sur le patrimoine tunisien, sur les chants des régions, de la campagne et tout. Donc, j'ai fait des albums, des productions personnelles, je compose des chansons. Voilà, j'aime tout. Les gens, donc. Mais maintenant, donc, est-ce que vous avez fait le conservatoire tunisien? Comment vous êtes retrouvée dans le monde du chant? Est-ce que c'était un héritage familial? Très souvent, beaucoup de femmes chantent. C'est aussi l'héritage des grands-mères, des mères, des tantes, des cousines, une ambiance familiale bien précise. Ou alors, vous avez été beaucoup plus académique. Vous avez fait les écoles. Les deux, puisque ma grand-mère aussi, elle chantait les chansons de Saliha et le Melouf tunisien. Et après, donc, j'ai senti que un jour, je peux être une grande chanteuse ou je peux faire une carrière artistique professionnelle. Donc, j'ai eu l'encouragement de la part de mon père qui m'a encouragée pour faire des études au conservatoire et j'ai fait mes études à partir de l'âge de 10 ans au Conservatoire National de Tunis. Et j'ai eu mon diplôme en musique, musique arabe, le diplôme de la musique arabe. Quand j'ai eu mon bac, j'ai voulu continuer dans le même domaine. Donc j'ai fait mes études en musique et musicologie à l'Institut supérieur de musique de Tunis. Et là, dans ce cadre académique, j'ai trouvé l'encouragement de la part de mes professeurs et j'ai trouvé l'occasion aussi pour présenter mon talent devant le grand public sur les théâtres, sur les scènes. Voilà. Ça. Ben, écoutez, c'est parfait. Vous avez donné un spectacle à Alger. Oui. Hein? Donc, ce sera pour quand? Donc, ce sera demain à l'Opéra d'Alger, dans le cadre du Festival de la musique andalouse et des musiques antiques. On va présenter le Melouf tunisien. On va chanter trois suites, moi et avec mon groupe des grands musiciens de la Tunisie. On va présenter trois suites de nouba tunisienne. La première, c'est la nouba du Tba Asmaïl. Donc, quand je dis suite, c'est des extraits de la nouba, parce que la nouba est très longue. Des extraits, oui. La deuxième, c'est des extraits de la nouba Al-Khadra. C'est une nouba composée par le grand musicien Cheikh Khmaïs Tarnel. Et la troisième suite, c'est des extraits de la nouba du Tba Sika. Voilà, et quelques chansons de mes propres compositions.
Ah ben écoutez, c'est parfait. On vous souhaite vraiment la bienvenue. Merci beaucoup. Hein, à ce festival. J'espère que ça va être un très bon moment d'échange avec également les artistes algériens que vous connaissez, j'imagine, et que vous allez encore découvrir, parce que ça va être un travail en commun, hein, j'imagine. Ça va être beaucoup d'échanges avec nos artistes algériens et autres également. On vous souhaite en tous les cas plein de bonnes choses avant de vous laisser partir. En tout cas, c'est la troisième fois que je viens en Algérie. La première, c'était à Constantine. À l'occasion de Constantine, capitale de la culture arabe, c'était en 2015. Mm-hmm. En 2017, j'ai chanté avec l'orchestre de l'Opéra d'Alger. Oui. On a chanté le répertoire tunisien de la patrimoine. Et voilà, maintenant c'est la troisième fois, j'en suis ravie. Merci le ministère de la culture algérienne qui m'a invitée pour participer à ce grand festival. Et vous avez été au niveau de l'Opéra, donc vous connaissez cette scène, le public. Oui, je connais. Il y aura un grand public connaisseur aussi qui va certainement venir vous voir. On va apprécier encore une chanson, hein? On va s'écouter une chanson, de la musique andalouse absolument à l'honneur à Louis Dedia. Et on va vous dire donc au revoir. Merci, au revoir. Et puis, soyez la bienvenue en Algérie. Merci. À bientôt. Merci, à bientôt. Voilà, à demain. Au revoir. À demain. Voilà, de la musique andalouse pour vous, mes amis, qui nous suivez dans les quatre coins du monde, en direct de Cannes, Algérie. Touahcht Bladi, les dimanches après-midi à 15h, un rendez-vous à ne pas rater avec Destination Algérie, votre pays, autour des activités également qui s'y déroulent et des reportages. Vous avez le tout dans cette émission. Alors, justement, on va rester encore dans la création, dans la production des produits artisanaux, créés par des jeunes.
notamment avec nos amis qui sont, elles sont parmi nous aujourd'hui. Il s'agit de Sarah Asman et Sarah Touat. Elles sont parmi nous toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Alors justement, Sarah Asman, vous-même, vous êtes dans le dans la fabrication du savon. Hein, donc vous êtes venue quelques temps et quelques années. L'année dernière, à la même période. À la même période, pratiquement. Et là, vous revenez avec d'autres produits. Exactement. N'est-ce pas? C'est bien parce que ça nous fait aussi chaud au cœur de voir que ces jeunes aussi évoluent et en, vous avancez, c'est très bien. Donc, vous êtes venue avec du savon, différentes sortes de savons. Oui, exactement. Quelle est la différence? Où est-ce que vous considérez que vous apportez un plus aujourd'hui par rapport à l'année passée? Alors, c'est nos crèmes hydratantes. On a créé de nouvelles, la gamme crème qu'on n'avait pas l'année dernière. Oui. On a une crème hydratante qu'on peut utiliser de jour et de et nuit à base d'amandes douces et d'eau de rose qui sont divinement la rose. Généralement, mes clientes adorent ça, elles adorent l'odeur. Et on a nos, notre crème anti-rides à base de l'huile de figue de Barbarie, huile d'abricot, qui sont deux antioxydants excellents pour la peau. Oui. Donc, c'est vraiment nos deux produits phares et nos nouveaux porte-savons en forme de Khamsa. D'accord. Où est-ce qu'ils sont vos porte-savons en forme de Khamsa? Ils sont à côté des crèmes. Ah, très bien. Ouais. Voilà. Merci, Khalifa. Voilà, on voit les porte-savons. Et puis, nous voyons également vos savons. Les crèmes. Les crèmes là-bas dans le fond, les pots blancs, là, voilà. Et différents alors, savons anti-tâches, crème hydratante, savon gommant. Il est à base de quoi, ce savon gommant? Au miel pur, café et sucre roux. D'accord. Savon hydratant à base d'huile d'olive, d'eau de rose. Donc, tout cela, c'est vous. C'est très tendance en ce moment hein, de fabriquer son propre savon. C'est comme une recette, un plat que l'on prépare. C'est ça. Hein? Oui, c'est ce que je fais. Généralement, même en story, j'essaye d'aider mes abonnés pour leur donner des petits masques pour les cheveux à faire à la maison. Voilà, facile. Le savon détox. Hein? Oui. Huile d'olive, huile d'amande douce, huile essentielle de citron. Et du charbon végétal. Voilà. Et le charbon végétal est très, très usité en ce moment. Oui, alors il est très bon, c'est un éclaircissant. Il est bon pour l'utiliser en tant que dentifrice naturel. Oui, oui. C'est excellent. Et aussi pour détoxifier la peau et lui donner un coup d'éclat. Donc, il est vraiment top pour la peau. Et il va vraiment aider à... En même temps, il va assainir la peau, mais sans la sécher. Oui. Donc, oui, vraiment, oui. Le savon va être là pour ça. Voilà, le savon hydratant, l'huile d'amande douce, pétale de rose, l'huile de coco, l'huile d'olive, tout ça, donc que l'on peut utiliser régulièrement. Donc, vous avez aussi votre page sur les réseaux sociaux. Exactement. Hein, donc c'est Naturel Soaping. Voilà, Naturel Soaping avec Sarah Asman qui fait de très, très belles choses. Alors, avec nous, Sarah aussi, notre Sarah, toi, cette fois-ci. Hein, comment ça va? Ça va. Le trac? Oui. Ça va mieux? Ça va. Voilà. Alors justement avec vous, Sarah, vous êtes dans le vraiment dans les toutes petites jolies choses hein, que vous proposez. C'est pour les enfants. Oui, c'est pour les grands enfants. Exactement. C'est pour les bébés surtout. Oui. Alors dites-nous, il y a ces petits coussins. Alors, il y a les doudous, il y a le coussin d'allaitement, il y a les parures de drap. Oui. Voilà. Donc on va voir aussi. Donc il y a le fameux doudou. Exactement. Et il y a nous avons les parures de drap. Les parures de drap, toujours pour bébé, hein? Oui, exactement. Oui, vous êtes en fait aussi combien adulte de temps? Ça fait à peu près une année. Une année? Oui. On va voir les draps, justement, de bébé. Ça fait à peu près une année? Oui. À peu près une année qu'on a commencé. Bon, j'ai commencé. Oui, ça a été une aventure. Vous venez d'où? De quelle formation vous-même? Alors, moi, je suis ingénieure en marketing. Oui. Mais j'ai grandi dans... Parce que mon père, il est... dans la confection. Exactement, il est dans la confection, mes frères, mes oncles et tout. Et là, j'ai choisi... Eux, ils sont plutôt dans l'industriel, mais moi, j'ai choisi l'artisanat. C'est mignon, voilà. Ça aussi, c'est... C'est un doudou. C'est un doudou aussi. Si vous le retournez, il sourit de l'autre côté. Ah oui. Attendez, il est accroché, donc je n'ose pas le toucher. Oui, oui. Voilà. Et un petit sourire. Voilà. C'est tout mignon. Oui, oui, très bien. Donc, et puis, nous avons aussi, voilà, encore les draps.
deux sortes de différentes sortes de draps. Exactement, les coussins d'allaitement. Les coussins d'allaitement aussi. Et vous exposez actuellement, vous êtes au niveau de cet hôtel qui est à côté de Hamagad. Voilà, exactement. Donc tout près du jardin d'essai où vous êtes actuellement. Donc c'est une très belle initiative, je trouve. Oui. Vraiment. D'ailleurs, voilà, on embrasse Lydia pour son initiative. On salue Lydia Ladouzi, vraiment, qui fait un superbe travail. Exactement. Vraiment, de présentation de toutes ces femmes. On remercie également une autre femme, hein, notamment Madame Hadjira Hadjira Khiyar de la Rose Magique, qui, elle, est dans des gâteaux traditionnels. Donc, la Rose Magique qui se trouve au Golf, donc, et qui fait de très, très bons gâteaux traditionnels, de très bonnes choses. On la salue vraiment. Et puis, bien sûr, la pâtisserie Booker, qui n'est pas en reste, qui est avec nous depuis des années. Ça, c'est la pâtisserie Booker. Ce que nous voyons, c'est les gâteaux de la pâtisserie Booker. Et ce qu'il y a à côté, notamment les gâteaux traditionnels, tels que le Khmeret. Nous avons également Hlout Lbanand, Ma'djoun Tbassa, Maqrout Lhassel. Toutes ces bonnes choses, vous voyez, donc Ribia, Hlout Naqesh. Toutes ces bonnes choses sont aussi, c'est du 100% algérien. Et puis c'est le moment de prendre un café, donc on est ensemble pour partager ce bon moment, n'est-ce pas? Ça oui, va oui. Voilà. Merci. Donc je pense que c'est aussi aujourd'hui important pour vous. Est-ce que vous croyez en vos projets? Il faut bien, sinon on n'avance pas. Exactement. Il faut bien. C'est ça que je dis à chaque fois. Qu'est-ce qui fait que vous croyez en vos projets? La passion. La passion. Surtout. Et, le feedback, le retour. Le retour, elle nous pousse. Vraiment, le retour de nos abonnés, de nos clients derrière nous. Quand il y a des moments où je leur dis, classe, ils font non, on est derrière vous, on est là. Merci de nous garantir cette qualité des produits. Elles sont tellement toujours là derrière nous que même quand on n'a plus envie, elles nous poussent. Elles nous poussent à toujours créer, à toujours innover. Parce que je me pose la question, ça ne doit pas être toujours évident pour vous. Donc, le fait qu'aujourd'hui, vous vous lancez vraiment, parce que c'est aussi en même temps, c'est le monde de l'entrepreneuriat également. Exactement. Il faut avoir des sous, il faut acheter vos produits, il faut pouvoir acheter l'emballage, tout cela. Et vous-même, les tissus, avoir quelqu'un qui vous aide pour travailler, parce que j'imagine que vous faites les dessins et que d'autres le font. Exactement. Donc, tout ça, c'est un monde, c'est tout un monde. Exactement. Et il faut avoir de la passion et de la patience. Surtout. Surtout de l'endurance. Oui. Et on essaie vraiment de tenir et de dire, si on le fait, c'est parce qu'on le fait avec amour et même si on est fatigué. Parce que comme tout le monde, comme je leur dis souvent, nous aussi, il y a des mamans et des sœurs. Donc on a la vie de la maison du quotidien qu'il faut jongler entre les deux. Et on essaye. On essaie de tenir. Et est-ce que pour vous, aujourd'hui, pour vous, c'est important d'aller dans le challenge? Oui. Parce que c'est des challenges là, que vous lancez, vous deux, et même Alexa, avec son travail de papier recyclé. Exactement. C'est aussi un challenge. C'est ça. Oui. Oui, c'est vraiment un challenge. Continue, parce que avec nous-mêmes, c'est ça, c'est quand on est avec les autres un peu, mais c'est quand on est avec nous-mêmes, c'est pire parce qu'on a envie de se surpasser. Oui. Et à chaque fois, on se dit, il faut innover, il faut chercher d'autres choses. Qu'est-ce qui pourrait plaire? Ouais. Donc, on essaie vraiment de faire des choses qui nous plaisent et qui vont plaire aussi. Oui. Et donc ça, c'est pas toujours évident. C'est pas évident, c'est comme pour les portes savants, pour trouver la bonne dimension. Parce qu'on essaie toujours, par exemple... Pour la khamsa, la khamsa, on l'a fait faire avec d'autres artisans, pour rester vraiment toujours dans le monde de l'artisanat. Oui. C'est une artisane morena qui me l'a fait. La khamsa, voilà, le porte savon khamsa en noir, voilà, très bien. C'est elle qui me le peint. Et c'est un savon à quoi? Le savon qui est sur la khamsa? C'est un savon... Le orange, c'est un savon anti-tache à la carotte et au curcuma. Ah, très bien. Voilà, parce que j'ai vu un peu un orangé, je me suis posé la question. Voilà. La couleur. Là, c'est autre chose. Voilà, c'est celui-là. C'est celui-là, au curcuma. Très bien. Donc, avec ses bienfaits aussi. Exactement. C'est un anti-tache, un anti-vieillissement et un antioxydant. Donc, il va vraiment nettoyer et assainir la peau. Oui. Alors, les projets de nos jeunes dames. Sarah, toi, des projets? Alors, de pouvoir continuer, exactement, de pouvoir avancer, exactement, de pouvoir élargir la gamme, et faire la gamme, exactement. Oui, c'est bien. Et faire plaisir aux clientes. Nous-mêmes aussi, de leur faire des événements où ça va plaire à nos clientes, on va essayer d'en faire. Donc,
Des petits projets, voilà, Inch'Allah. Voilà, on voit aussi tout ça, toutes ces jolies choses. Oui. Voilà cette lune. Oui. Voilà, toujours pour les décorations de chambre. Hein. Donc là aussi, c'est un doudou. C'est, voilà, c'est un doudou aussi. Il est là, donc, on va... Qu'est-ce que vous disiez, ça? Il est à l'envers. D'accord. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, donc là aussi, c'est tout mignon. C'est tout beau, donc on souhaite aussi, on vous souhaite longue vie dans ce que vous faites. Merci Sarah, beaucoup. Sarah Toit et Sarah Asman pour le savon. Et est-ce que vous allez vers, par exemple, des industriels qui sont aussi dans le cosmétique? Oui. Vous avez pensé à ça ou pas? Non, pas vraiment. J'aime bien pas le encore. Fait de rester artisane et de le faire oui, moi-même. Mais bon, d'être soutenue, d'être aidée. Oui. Peut-être prochainement, Inch'Allah. Mm-hmm. Pourquoi pas? Voilà, voilà. Mm-hmm. Donc là aussi, pour vous, c'est important à Asma Touat de pouvoir exposer exact. Et rencontrer les gens? Oui, très important. Mm-hmm. Pourquoi? Déjà, de pouvoir tester son travail, c'est ça? Exactement. Voir leur réaction. Mm-hmm. Voir leur voilà. Réaction. Leur réaction. Mm-hmm. De... Le goût, on vous oriente aussi, j'imagine. Oui. On doit vous orienter aussi par rapport à ce qu'elles veulent avoir dans la chambre de leurs enfants. Exactement, les couleurs, les motifs. Les tendances, elles vous demandent même des choses qu'elles voient ailleurs, sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Exactement, oui. Hmm? C'est un peu tout cela, voilà. Très bien, alors on va vous laisser partir parce que merci. Nous savons que vous êtes actuellement, et là vous allez rejoindre, j'imagine, l'hôtel, donc, et voir également tout ce qui se fait en matière d'échange entre vous, parce que vous allez certainement discuter avec oui, ces femmes et exactement. Ces hommes qui exposent. C'est une grande majorité de femmes qui sont présentes. Oui, majoritairement des femmes, oui. Mais ça va, il y a des hommes aussi. Mm-hmm. Et ça se passe bien, une bonne ambiance, c'est bon enfant, on s'entend bien. Oui. Genre c'est instantané, pourtant on ne se connaît pas, oui, des oui, fois oui, c'est, oui. c'est nouveau. Mais je ne sais pas, c'est peut-être lié à l'artisanat ou... Ou alors parce que vous êtes dans la même galère. Voilà, peut-être. C'est possible aussi. Vous êtes voilà. tous ensemble, j'ai dans le même bateau. Dans le même bateau. C'est donc ça. Voilà, dans la même vraiment histoire, ça c'est magnifique, dans le même challenge. Exactement. Voilà, et ben c'est très bien. On va vous laisser partir et nous on va apprécier donc le reportage de Lemia Boudbouda autour du marché justement, le marché artistique, l'art et la matière. Et ben c'est exactement ce que là où vous êtes actuellement. Ils sont une vingtaine d'artisans venus exposer leurs merveilles dans le hall de l'hôtel Sofitel. Cela s'intitule le marché artistique, l'art et la manière. L'hôtel brille de mille feux grâce à leurs créations originales. Au menu, tableaux, peinture sur verre ou peinture sur toile. Je suis très contente de ce lieu, c'est un lieu très convivial. Nous sommes un groupe d'artisans, on s'entend tous très bien. Ce qui a marché le plus, bon, c'est surtout, il y a la calligraphie abstraite, que j'en ai vendu pas mal. Ce sont des pièces uniques. Voilà. Alors, les tableaux qui représentent des qadettes aussi, ça plaît beaucoup. Et bien sûr, ces longs tableaux avec les façades maritimes et les voûtes, surtout, ça a été le coup de cœur de pas mal de gens. L'habit traditionnel est représenté par la wilaya de Tougourt. L'autre vêtement est le vêtement africain. Qu'ils soient modernes ou traditionnels, les créations Arcadie vous emporteront grâce aux couleurs chatoyantes de l'Afrique. Arcadie, ça veut dire racine. Art, voilà, l'art. Et c'est pour dire que mon art me vient de mes racines, en fait. Mes racines africaines, que je revendique. La base, en fait, de ce que je fais, c'est le wax. Le wax, c'est un tissu coloré, c'est un tissu de coton, de très bonne qualité. Et du coup, j'ai voulu, en fait, confectionner un peu de tout, tout ce qui est mode, tendance, dans le wax, en fait. Et voilà, vous avez de belles couleurs, vous avez des jupes, vous avez un peu de... Ce qui est tendance, c'est le bombers, en ce moment. Et j'ai fait des bombers dans le wax, parce que je revendique ces couleurs-là. Dans cette exposition, les palais gourmands ont leur part grâce au chocolat et aux dattes fourrées de Dar el Henna. Lemia quitte le monde pharmaceutique
pour sa passion culinaire. J'ai toujours aimé l'art culinaire, qui n'est pas si éloigné que ça du domaine de la pharmacie, puisque c'est une question de dosage et d'hygiène et d'éthique. Et donc j'ai fait une reconversion après ma retraite et je me suis mise aux dattes fourrées, tout en respectant justement les principes de diététique. Ce sont des dattes fourrées à la pâte d'amande, donc 100% amande, sans colorant, sans additifs, sans extrait et également allégé en sucre. Donc on peut se faire plaisir sans culpabiliser, sans se faire du mal. Bijoux, patchwork, céramique, tout y est pour vous laisser succomber. Et notre art est représenté par un artisan venu de Mostaganem. Avec un entonnoir et quelques accessoires spéciaux, et il réussit à créer de jolis tableaux dans des bouteilles. Le sable en bouteille, il se fait avec cet outillage, un entonnoir. C'est pour faire couler le sable à l'intérieur de la bouteille et de l'orienter. Et le dessin, il se fait avec un bout de métal. Un côté pointu et l'autre plat. Bon, c'est un sable, c'est un sable traité. Il est fait spécialement pour le sablage de verre. Comme on est du nord, on n'a pas cette couleur naturelle de sable, je suis obligé de teinter le sable. Tandis que pour information au peuple algérien, aux Algériens et même aux étrangers, la wilaya de Béchar, alentour de la, que la wilaya de Béchar, il y a plus de 85 couleurs naturelles. Le marché artistique est le lieu idéal pour dénicher un présent ou tout simplement se faire plaisir. Les artisans vous attendent jusqu'au 31 décembre. Voilà, en fait, cet événement est aussi complémentaire aux invités que nous avons eus précédemment, notamment les deux Sarah, Sarah Asman et Sarah Touat. Encore une fois, marhaba bikoum, la dernière ligne droite de cette émission, avec vous, mes amis, notamment avec notre invité, M. Guiroumi Habib, qui nous vient donc de Marseille. C'est un plaisir de le recevoir, marhaba bik. Et c'est le mec, voilà, alors M. Guiroumi Habib, vous êtes donc dans le monde de la musique andalouse par excellence. Hein, vous êtes natif de Bab El Oued, un quartier très riche de par ses hommes et ses femmes artistes, hein, n'est-ce pas? Vous êtes installé donc à Marseille et vous faites un peu, comme on dit, les va-et-vient entre Marseille et Alger. Vous avez fréquenté le Monceli Adzeria. Ouais. Et puis là, vous reprenez aussi avec le Monceli Adzeria, avec Nasser Belmrabot, que l'on salue également cet après-midi dans Touhach Tbladi. Nous l'avons reçu il y a quelques années dans le Qaada avec toute la troupe de Monceli Adzeria à l'époque. Et on espère le recevoir encore une fois avec beaucoup de plaisir. Alors vous c'est toute une vie, c'est tout un périple, M. Guiroumi. C'est ça, effectivement. Depuis l'âge de 8 ans, j'ai eu le plaisir de grandir dans cette association, le Jazel Monceliya, dont Sidi Mohamed Mbarabat était le président. Et j'étais l'élève du grand maître Sidi Ahmed Serri, qui nous a laissé le grand patrimoine. Voilà, donc là, j'ai vraiment grandi dans ça. Effectivement, j'ai eu cet honneur de pouvoir justement être l'élève de ce grand maître. Et c'est comme ça, donc j'ai fait mon petit bout de chemin et après, bon, je suis parti en France. Et là, effectivement, je reviens parce que je suis très jaloux de de garder ce patrimoine qui nous appartient à tous et que nous devons le perpétuer à travers ce qu'on a appris, le mettre à l'ordre du jour et le présenter sur sa belle ossature et sa belle composition, comme on nous l'a transmis. Alors, justement, vous qui êtes parmi nous aujourd'hui, M. Guiroumi Habib, la musique, on va écouter un petit extrait de ce que vous nous proposez, justement, aujourd'hui. On va commencer par Alger, par le centre. Voilà, c'est ça. On va commencer par Alger, par le centre. Et effectivement, la musique arabo-andalouse étant une musique qui est étendue sur les 24 modes, en restant malheureusement l'Institut de l'Histoire, il n'en reste plus que 12, mais néanmoins, on peut choisir le mode Sika qui se joue à peu près dans cet instant-là. Vous êtes aussi dans le chant également. Hein? Je suis aussi dans le chant également, effectivement. On va vous écouter avec plaisir. Je vais faire une partie de la Tushia, donc Sika, pas en totalité parce que c'est trop long. Thank you.
Saha, magnifique. Vraiment, très bel instrumental en tous les cas, très très beau morceau. Merci d'être là encore une fois, hein, M. Habib Garoumi, de l'association Mousselia Diriya. Si on doit revenir vers vous, donc, il y a aussi des albums. Vous nous êtes venu avec des albums, donc un travail fait avec d'autres nuances, j'imagine, avec un travail fait avec d'autres styles culturels, n'est-ce pas ? Voilà, c'est ce que nous voyons. Chant arabo-andalou, avec d'autres sonorités, avec qui, par exemple, donnez-nous. Alors, ce qu'on voit actuellement, c'est le chant arabo-andalou. C'est la ce lambra. Que j'avais fait au tout début, seul. C'était pour reproduire un petit peu le périple, le cheminement de Ziryab, qui avait traversé toute la péninsule arabique pour rejoindre, effectivement, l'Espagne. Et donc, j'avais fait un petit peu cette symbolique de quelqu'un qui se déplace avec son instrument. C'est pour ça que le premier... C'est pour ça que le tout premier démontre bien cette façon d'exécuter la nouba en solo. Le chant arabo-andalou, voilà. En solo, entre chant et instrument. Donc, c'est une nouba complète. Ici, apparemment, donc, c'est la nouba sika. Et donc, faites complètement, chanter uniquement et jouer avec. Petit à petit, donc, on rencontrait effectivement d'autres musiciens du monde occidental. Et il a fallu, bien sûr, le montrer, leur expliquer cet art qui est ancestral et qui est très riche. Donc, leur expliquer exactement sur quelle façon il est composé, comment la musique est organisée. Et petit à petit, effectivement, ils sont très, très intéressés. Et l'idée, c'est de faire de la revisite. Donc c'est pour ça qu'on avait choisi, moi j'avais choisi certains morceaux, qu'on retrouve dans Jewel, et le deuxième album c'était Hiwaya. Et donc on a essayé de faire reprendre certains morceaux du patrimoine arabo-andalou et le revisiter. Donc le revisiter avec de nouvelles sonorités, donc ces sonorités ce sont celles de l'accompagnement en guitare et violoncelle pour donner cette touche un petit peu que cette musique peut appartenir au monde entier et être ressentie, mettre dedans des certaines sensibilités qui peuvent s'exprimer à travers le ressenti de la personne elle-même. Très bien, ben, écoutez, c'est formidable. Alors là, on va écouter un autre morceau, hein, Monsieur Guéroumi. Donc toujours Oud, donc on va partir un petit peu en Constantine pour rendre hommage justement à mon ami dont vous avez cité Farid Moussassa tout à l'heure, qui était venu de Constantine. Moussélie, que nous avons reçu dans Touhach Tbladi il n'y a pas très longtemps de cela, tout à fait. Donc je vais choisir un Bashraf parce qu'eux, ils ont des Bashraf, donc un Bashraf Zidane. Thank you.
قلبي فأشكو منه بالخفاق عني. Très très belle voix. Merci. Vraiment une très 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 belle voix, magnifique, mélodieuse, cristalline, douce. Vraiment une très très belle voix, Monsieur Guérumi. Et ça nous fait vraiment chaud au cœur de vous avoir reçu, d'avoir partagé ce beau moment avec vous. Vraiment, on pourrait prendre un tout petit extrait, hein, parce que le temps nous est imparti, un tout petit extrait de l'ouest du pays, on va dire ça comme ça. Ouais. Vraiment, qu'il y ait un équilibre entre l'est et l'ouest, puisqu'on a, on a touché au centre et à l'est. Allez-y. Donc on va faire ce qu'on appelle Sabah al-Aros. Merci, Monsieur Guérumi. C'était un très bon moment, vraiment, de partage, de la bonne musique et puis une très belle voix, tous les cas, hein, que l'on découvre aussi. Hein, c'est donc, on salue toute l'association, El Monseliya Diriya, et j'espère qu'un jour on vous recevra avec toute la troupe, l'orchestre. Avec un grand plaisir. Hein, ce serait vraiment formidable. Et là, vous êtes encore sur Alger ou vous repartez? Oui, je suis encore sur Alger jusqu'au 1er. D'accord. Je suis effectivement. Obligé de rejoindre parce que je travaille, je suis médecin aussi, donc entre les deux, c'est difficile. Ah ben oui, j'imagine. De faire les deux en même temps. D'accord. Ouais. Vous êtes médecin dans quel hôpital? Je suis médecin du travail, donc je vais dans un service inter-entreprise à Marseille. Très bien. Eh bien, écoutez, bravo, vraiment. Merci à vous. Et merci. Merci de nous avoir donné de votre temps pour être aussi parmi nous après-midi dans Touahech Tebladi. C'était vraiment délicieux. Un moment merveilleux que nous avons passé avec vous, M. Guérumi. Voilà, on arrive pratiquement à la fin de notre émission Touahech Tebladi d'aujourd'hui. C'était un très bon moment avec beaucoup d'invités, beaucoup d'échanges et de partages, beaucoup d'informations, de connaissances tout au long de cette émission. Je vous dis au revoir. Et à la semaine prochaine, Inch'Allah, t'allahouna fil Jazair, de là où vous êtes. Salam alaikum.
داين داين يا وش الرايس للموحالة صقر داين داين يا وش الرايس للموحالة صقر الخلطة يدس حرام أسقط راني السرد ودميس ما الخلطة تاكي حشام يحكات في اللاس الفانس دحشاد ويتلقى يحكيك من لسل فالس لحشد ويتنقل